Les policiers de Saguenay sortent leur motoneige. Ils se préparent à un important déploiement en fin de semaine dans les sentiers et sur les routes. C'est pour lancer un message fort. On le sait, au Québec, la motoneige est un moteur économique important, mais qui doit être une activité qui est sécuritaire. Donc, on va avoir l'œil ouvert. Les autorités unissent leurs forces. La police municipale sera accompagnée par des équipes de la Sûreté du Québec, de Contrôle routier Québec et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. C'est toujours un peu les mêmes problématiques qu'on voit. Beaucoup de vitesse, comme je le disais, au niveau des équipements. Certains circulent dans les sentiers alors qu'ils n'ont pas payé leurs droits. Mais cette année, ils seront particulièrement attentifs à l'arrimage de l'équipement lors de son transport. Ici, quand on regarde la sangle, elle est très bien tendue. C'est un véhicule léger. Par contre, la loi dit que ça ne peut pas se déplacer ou se détacher du véhicule. Ce motoneigiste s'était bien informé. Tout est en règle, à l'exception d'un détail. Il manque une petite lumière blanche. C'est tout ce qui manquait. Tout est beau. Ils ont tout vérifié à matin. Si c'est d'autant plus important de rappeler les règles... On voit depuis 2020 qu'il y a plus de ventes de motoneige. Donc, s'il y a plus de conducteurs, il y a plus d'incidences, d'accidents. Et des infractions, même les motoneigistes en remarquent de nombreuses dans les sentiers. Du hors-piste, de la vitesse, puis le non-respect des stops. Des fois, on les voit passer, ils ne font pas de stop. Il va y avoir plein de policiers en fin de semaine. Ça me dérange pas. Je suis bien content. Pourquoi c'est une bonne chose? Pour la sécurité. Plus de 200 constats d'infractions qui ont été remis aux différents infracteurs. Déploiement policier ou non? Il y a des lois qu'on ne sont pas sûrs. Il faudrait qu'ils restent sur le site voir vraiment. Ça, le président du club de motoneigistes de Saguenay ne le répétera jamais assez souvent. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Saguenay.